Nom d'un Pokédex, c'est quoi ce délire? Pichou? Miam miam. Ah, tu veux des chips? Ouais, j'adore les chips. Ok, tu peux toutes les prendre. Qui pleure comme ça? Pichou, viens par ici! Aide-moi! Hé, hey, où t'es passé? Le Pokémon est enfermé dans la cage. T'es à nous maintenant! Non, au secours! Laissez-moi sortir! Hé, hey, Daddy! Bien joué, Mommy! Laissez-moi sortir de là! J'ai trop peur! Hors de question, petite créature jaune! Tu sais quoi? Si cette vidéo atteint 50 000 likes, on envisagera peut-être de te laisser partir. Les amis, aidez-moi! S'il vous plaît, j'ai besoin de 50 000 likes! Pitié! Hé, hey, où est Pichou? Hey. Pichou! Apporte-la ici! Sors de là, petite souris! Mommy, je suis où? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Attends de voir un peu! Notre présentation est prête! Tadam! Et alors, un gilet? C'est pas tout! C'est un gilet électrique! Tu vois, bébé, nos factures d'électricité sont aussi longues que nos bras! Mais maintenant, on t'a toi! Donc, on ne paiera plus jamais de factures de courant! De l'électricité gratuite! À partir de maintenant, tu seras notre prise ambulante, bébé! On peut faire tout ce qu'on veut! Et tu produiras de l'énergie pour nous! Quel plan de génie! Bienvenue à la maison! Notre petit générateur d'énergie! Hey, salut! Qu'est-ce qui t'amène dans mon magasin de Pokémon? Mon Pokémon a disparu! Mon bébé Pichou! Des méchants aux longs bras l'ont enlevé! La famille Longlegs! Du coup, j'ai besoin d'aide! Bienvenue au magasin de Pokémon! Assieds-toi! On va te trouver le Pokémon idéal! Carapuce! Tu penses quoi de lui? Il est pas trop mignon? Qu'est-ce qu'il peut faire? Carapuce! Coucou tout le monde! Montre de quoi t'es capable, mon pote! Non! Oups. Désolé, il sait pas encore vraiment se contrôler. Mais j'en ai d'autres en stock. Celui-là devrait te plaire. Papillusion. Parfaite pour tous les fans de Pokémon. Vas-y, à toi de jouer. Quoi? Non, arrête ça, je vais m'envoler. Ce Pokémon convient vraiment à personne. Mais ce Pokémon pourrait t'aider. Bon sang, bonsoir, l'odeur est juste. C'est le roi de la puanteur, celui-là. Rafflesia. Ah, tu devrais vraiment prendre une douche. Oh non, non, non! Erk! La puanteur me fait monter les larmes aux yeux. Oups. Où il est passé? Vous pouvez me dire laquelle de ces Pokéballs a attrapé cette fleur fétide? Dites-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Erk! Ouais, la loterie des Pokémon. N'importe lequel de ces Pokémon peut t'aider. Approche, sois pas timide. Choisis-en un. Très bien, je vais prendre celui-là. Wow. Bon choix. Super. Je me demande qui est à l'intérieur. J'espère que c'est pas le puant. Waouh! Feloutan! Salut. Waouh, c'est génial! J'adore! Merci pour tes achats chez nous! Hé, hey, pourquoi est-ce que ça bug? Pichou? Et l'électricité alors? Va falloir que t'arrêtes d'être aussi feignante! Je meurs de faim! Oh, tu veux prendre une pause et manger? Pas de soucis! On va te chercher de la nourriture dans la cuisine! Viens par là, Pichou!
voilà ce qu'il y a au menu. Un chewing-gum de très bonne qualité. Mais je veux pas de chewing-gum. Tu veux pas de chewing-gum? D'accord. Alors on va trouver autre chose. Du chewing-gum ou du chewing-gum? Ce chewing-gum. Bon appétit! Ça te plaît pas? Je veux de la vraie nourriture! Pourquoi vous avez que des chewing-gums? Quelqu'un a demandé pourquoi on a que des chewing-gums? Ah! On va te raconter toute l'histoire dans une seconde. Mieux encore, on va la chanter! Le chewing-gum! Le chewing-gum! On adore ça! On pourrait passer nos journées à ne manger que ça! Le chewing-gum, c'est notre meilleur ami! On le mâche le matin, l'après-midi et la nuit! Le chewing-gum! Le chewing-gum! C'est tellement amusant! On en mâche vraiment tout le temps! Mâcher du chewing-gum, c'est le meilleur des passe-temps! Daddy, c'est qui? Je vais ouvrir la porte. Elle est Long Legs! Et si vous me rendiez mon pitchou et qu'on en restait là, hein? Bye! Si vous voulez pas, dans ce cas-là, je vais devoir utiliser la manière forte. Feuilloutant, go! Oh, qu'est-ce qui fait peur? C'est donc lui ton protecteur? Montre-leur de quoi t'es capable! Feuilloutant! Oups! Et c'est tout? J'aurais eu honte de montrer ça! Bienvenue dans la famille Longlegs, c'est l'un des nôtres maintenant! Non! Mon feuilloutant! Adieu, Piper! J'ai besoin de plus de Pokémon! Les plus forts que t'es! D'accord! Attrape! Fabuleux! En route, mauvaise troupe! Oh, Pichu! T'es toute sale! Mais qu'est-ce que t'as fait? Daddy, garde tes bras pour toi! Je m'en occupe! Bébé, on va aller te laver! Quel gâchis de chewing-gum! Ah, oh, ces gosses, ça m'épuise! Où est mon chewing-gum anti-stress? Ça sent trop bon! Où est la nourriture? Coucou mes délices! Va dans la baignoire, Pichu! Oh oh! Je supporte pas l'eau! T'as quand même besoin d'un bain! Et arrête de m'électrocuter, bébé! T'es qui, toi? Rondoudou! Si tu le dis, tu veux regarder la télé avec moi? Je préfère chanter! Parfait! Oh, sympa cette décoration intérieure! Quoi? Hein? Allez, passe-moi le micro! Quel noob! Daddy Long Legs! Encore un! Ça commence à devenir agaçant! Elle s'en prend à moi? Très bien! Kia! Daddy, j'arrive! Sors de là, Minus! Le bain est terminé! On dirait qu'il y en a un qui a besoin de moi! Attends là, Pichu! Daddy, je suis là! Oups! Touchdown! Oh, coucou l'abeille!
Tu sais pas à qui t'as affaire. C'est la revanche de l'apicultrice. Regarde, cette fleur sent tellement bon. Oh, mon précieux! Approche-toi, l'abeille! Ah, je t'ai eu! Bien fait pour toi. Ah, encore un. Approche, Momie, attends. Qui ce sera cette fois? Je suis Racaillou. Alors, c'est quoi ton pouvoir, mon grand? Les pierres, c'est mon élément. Prends ça! Pff, quelle pierre stupide! Stop! Ça te fera une super pierre tombale, Racaillou. Tiens, Racaillou, j'ai un cadeau pour toi. C'est vraiment sympa! À la prochaine! Tu t'en vas déjà? Comme c'est dommage! Oh, mon dos! Donne-moi une seconde. Burk! Mais c'est quoi cette puanteur? Bon sang, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es douché, mec? C'est deg! T'as mangé un putois ou quoi? Bon! Daddy, comporte-toi en homme un peu! Je peux retenir ma respiration, Rafflesia. Je me laisserai pas faire si facilement. Rentre dans ta Pokéball, le puant! Lève-toi, Daddy, c'est l'heure! Bye! On a un dernier client dans la cuisine. Maintenant, on a mis nos longs bras sur tous les Pokémon. Oh, c'est Piper! Entre! Tiens, reprends ton équipe de naze et reviens plus jamais ici! Bye bye! Qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver un moyen de me sortir de là! Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Une Pokéball? Je crois que j'ai une idée! Génial! Hey les amis! Vous pensez que je devrais emprisonner les longs legs dans une Pokéball? Oui ou non? Donnez-moi votre réponse en commentaire! Ah, ça a été une longue journée! J'aurais aimé que tu vois Momie bébé Pichu! J'ai besoin d'un chewing-gum anti-stress! Et un morceau de chewing-gum pour moi! Il est à qui, chewing-gum? Ah, c'est vrai, c'est le mien! Non, c'est le mien! Non, à moi! Comme j'ai dit, c'est mon chewing-gum! Vous sortirez jamais de là! Devine qui c'est? Pichu, c'est toi! Ouais, t'es revenu! Je resterai toujours avec toi! Tu peux prendre toutes mes chips! Excuse-moi, vous avez encore besoin de ce banc? Non, on s'en va! Mi amore! Je t'aime! Je t'aime aussi! Je t'aime encore plus! Je suis remplie de passion pour toi, mi amore! C'est chaud! Mais chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te sauver, toi et ta robe! Vite! La chose, occupe-toi du bébé! Endors notre mercredi! Ce bébé est à nous maintenant! Chérie, avoir une fille a toujours été mon rêve! On rentre à la maison maintenant! Notre fille est grande maintenant. Tu nous aimes, ma chérie? Bien sûr que oui! Ma chérie, il est temps de nettoyer le sol. Sinon, à ce rythme-là, il sera assorti à ta tenue noire avant même que tu t'en rendes compte. Maman, c'est bon si je fais ça demain? Non! Quoique, en y réfléchissant bien, si cette vidéo atteint 50 000 likes, tu pourras passer la serpillière demain. Hé, hey, les amis, aidez-moi à obtenir 50 000 likes! Allez, s'il vous plaît! Je déteste nettoyer le sol. Moins de blabla et plus d'huile de coude. Le sol va pas se laver tout seul. Oh là là, trop ringard ces gants! Joli stationnement! Daddy est à la maison! Oh, du nouveau courrier! Voyons voir.
Quoi? Ce Paul Parquet m'a encore devancé. C'est lui l'employé du mois? Bon, je vais lui donner une bonne leçon. Me voilà rentré. Ah, c'est tellement sympa de se dégourdir les jambes après une longue journée de boulot. Oh, Daddy est à la maison. Ok. Ces pantoufles étaient un de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai faim, j'ai trop la dalle. Tu peux manger, Huggy? Ah, manger! Allez, mercredi, mâche plus vite. On va pas prendre le petit-déj éternellement. Ok. Huggy, c'était mon repas! T'as terminé, ma chérie? C'est bien. Maintenant, fais la vaisselle. Ok. Ça fait 15 ans qu'on recherche notre fille. Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh, il y a mon émission préférée à la télé. Comment kidnapper des enfants? Bon garçon. Waouh! C'est déjà le 224e épisode? Qu'est-ce qui fut comme ça? Daddy? Non! Mes pieds? Non! Pfiou! Ça vient de notre Huggy. Mercredi! Waouh! Tiens, tu sais quoi faire? Ok! Joyeux anniversaire à moi! Oh, je vais m'organiser une fête. Joyeux anniversaire, mercredi! Joyeux anniversaire! Ça sent bon, c'est à manger. Oh. Désolée, mercredi, mais les enfants ne doivent pas manger trop de sucre. Mais c'est ta bougie, tu sais. Fais un vœu. T'as gâché ma fête. Joyeux anniversaire, ma puce. C'est pour toi. Waouh, un vrai cadeau. 100, 200, 300. C'était une bonne idée d'investir dans un violon. Continue de jouer, mercredi. Qu'est-ce qu'elle regarde fixement comme ça? Y a des fissures au plafond? Hé, hey, réveille-toi, bébé. Tu vas jouer dans la rue maintenant. Prépare-toi, allez. Demain, c'est ton premier jour de travail. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mes bras sont pas aussi longs que ceux de maman. Allez, étire-toi! Non. J'ai peut-être ton super pouvoir. Tends-toi! Oh là là! C'est qui ça? Chut, crie pas! Et n'appelle pas tes faux parents. Je vais tout écrire dans une seconde. Il me faut quelque chose. Oh, ça, ça fera l'affaire. Dis-moi tout, membre perfide. Quoi? T'es mon ami pour de vrai? Notre bébé? Notre petite araignée? C'est une voix, ça? Prends ça. Oh là là, c'est eux mes vrais parents?
Je vais résoudre cette affaire. Momie, Daddy, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Fais-moi voir. Huggy, tu veux un jouet? Amuse-toi bien, mon chéri. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était mon ami! Mercredi, va dans ta chambre. Et arrête de contrarier tes parents. Mais quel culot! Allez, viens, chérie. L'opération Libérer Mercredi peut commencer. La clé est en vue. Les obstacles ne me font pas peur. Joli tir! Parfait. Chut! Rendors-toi, Mister Moustache. Voilà la clé. Je l'ai. Laissez-moi sortir, au secours! Mercredi! La chose? Oh oh! Tout le monde dort! Je vais aller retrouver mes vrais parents, bande d'imposteurs! Chut! Ça me plaît bien de faire ça! Je dois filer! Oh non, 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 non! Faut pas que Momie se réveille! Qui est là? Oh, c'était qu'un rêve! Huggy, je t'ai mis KO! Qu'est-ce qu'il fabrique? Y a un code, c'était quoi déjà? Mon rêve le plus cher, c'est de rencontrer mes vrais parents. Hé, les amis, aidez-moi! Quel code Huggy a utilisé? Dites-le-moi en commentaire. Où est la clé? Momie! Hein, qu'est-ce qui se passe? La clé a disparu. On va aller voir Mercredi. Elle est pas là. Regarde dans le couloir. Oh, un poulet en caoutchouc. C'est une piste. Momie, pourquoi tu te penches? T'as de longs bras, tu sais. Ah, j'avais complètement oublié. Qu'est-ce que je fais maintenant? Reste où t'es. Tu pourras pas aller bien loin. Stop! Non! Oh, c'est dégueu là-dedans! C'est bon! Oups! On va aller s'occuper de ces Adams. Vert, bleu, rouge. Oh, Gomez! Où peut bien être notre fille? Oh, maman, papa? C'est vraiment vous? C'est moi, Mercredi! Quoi? Mercredi? Elle lui ressemble beaucoup, c'est vrai! Mercredi! Mercredi, notre petit corbeau, t'es revenu! Tu nous as tellement manqué! Dépêche-toi, on doit la retrouver! Où est-ce que t'essaies d'aller comme ça? Laisse-moi passer! Te mets pas en travers de mon chemin! Les dames d'abord! Quoi? C'est quoi ce sac poubelle? Daddy, débarrasse-toi-en! D'accord, je m'en occupe! Allez, dépêche un peu! Arrête de traîner, long legs! Il est coincé! Faut tout que je fasse moi-même, hein, vraiment! Non, Momie! Oh, désolée, Daddy, j'ai pas fait exprès! T'avais raison!
qui lui prend autant de temps? C'est comme s'il s'était évaporé dans les airs. Ah ben enfin, t'as atterri! Ça commençait à faire long. Je veux plus d'enfants, j'en ai ras-le-bol. Non! Tu changes tout le temps d'avis. Eh, les long legs, j'ai du courrier pour vous. Regarde! Une nouvelle brochure d'adoption. Voyons voir. Non. Mais elle, pourquoi pas? C'est une fille adorable.